Bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Donc déjà nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Donc je tenais à vous faire une petite vidéo et à vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi cette semaine. Je voulais vous tourner une vidéo avant mais je n'ai pas pu. Entre le travail, mes enfants sont malades, ils ont tous les deux la gastro. Enfin bon, bref, ça a été vraiment, voilà, une semaine particulière, j'ai envie de vous dire. D'habitude, on se repose entre les fêtes et moi, ça a été un peu la course. Donc voilà, le chat qu'il a fallu ramener chez le vétérinaire, donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. On lui a retiré ses points de suture, voilà, il faut encore qu'il reste un peu au repos pendant 2 semaines. Et après, il pourra retourner faire sa vie dehors. Mais voilà, mon petit chat va très bien, on a réussi à le sauver, donc... Voilà. Alors aujourd'hui, petite vidéo ouverture de cadeaux parce que j'ai 2 abonnés qui m'ont envoyé des colis. Donc bien évidemment, je parle de Patricia et de Sylvie. Donc merci à vous toutes les deux. Et on va regarder ce qu'elles m'ont envoyé ensemble. Alors, le premier, donc c'est Patricia qui m'a envoyé un petit cadeau. Alors, vous voyez pas forcément dans le carton, mais je trouve que ça va être plus sympa de vous les montrer comme ça que sur mes mains, parce que les cartons prennent de la place et du coup, je vais pas pouvoir bien vous cadrer la vidéo. Alors, ma petite Patricia. Donc, déjà, j'ai une petite enveloppe avec écrit Hélène dessus. Alors, meilleurs vœux. Bah, meilleurs vœux à toi aussi, Patricia. Hein. Merci beaucoup. Et elle m'a mis un petit mot, donc elle m'a mis « Je te souhaite ainsi qu'à toute ta famille une très belle année 2022, que tous vos voeux se réalisent, que le bonheur accompagne chacun de vos pas. Encore un énorme merci pour ces jours passés ensemble, que de bonheur. » Patricia, bah écoute, merci à toi Patricia. C'est vrai que tu as été une très fervente fidèle du calendrier de l'Avent et du coup, bah, je suis contente que ça t'ait plu et que ça ait plu aussi... à pas mal de monde. Donc je vous montre, j'ai retiré à la vernie du papier dans le colis, je l'ai retiré et du coup regardez, j'ai des petits cadeaux et j'ai plein de bonbons. Donc quand j'ai ouvert le colis, ma fille était avec moi, elle a dit oh, des bonbons et tout, j'en veux. J'ai dit non non, c'est bon, t'as la gastro, on va attendre un peu. Mais voilà, déjà je suis gâtée, j'ai le droit à plein de bonbons. Alors je vais les mettre de côté. Il y en a pas mal. Alors là, il y a un petit cadeau avec un mot. Et ensuite, en dessous, il y a un grand cadeau. Il y a encore plein de bonbons en dessous. Hop. Voilà. Donc, je mets le carton par terre. J'ai sorti les 2 cadeaux. Donc... le premier petit cadeau avec un petit mot, donc elle m'a marqué « En faisant du rangement, j'ai retrouvé ceci. Tu en as parlé dans une de tes vidéos, j'espère qu'il fonctionne toujours, Patricia. » Alors, voyons voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, trop fort! Ah, c'est trop cool! Ah bah, je vous en ai parlé, oui, dans une de mes vidéos. Que, vous savez, c'est des glue marqueurs, des marqueurs à colle. Et c'est vrai que j'avais vu que chez Action, ils en avaient fait. Et je n'en avais pas acheté à cette époque-là parce que ça ne m'intéressait pas. Mais c'est trop cool. Donc, il y a une pointe, ils appellent ça broad, une pointe un peu rectangulaire et une pointe fine. Voilà. Ah bah, ça, c'est trop cool. Je vais tester avec mes paillettes. C'est trop, trop bien, quoi. Je suis trop contente. Bâton de colle à pointe large et fine. Ah, trop bien! Bah, merci Patricia. Oui, normalement, ils vont fonctionner. Hein. Ça tient le choc. Hein. Ah, c'est trop bien. Même pour écrire et tout. Vous voyez, derrière, ils montrent. Je pourrais écrire et mettre des paillettes après dessus. C'est trop cool. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Trop, trop bien. Et ensuite, donc j'ai un deuxième cadeau. Je crois qu'elle m'a dit que... Alors qu'est-ce que c'est? Ah, trop chouette! Le cadre Diamond Painting de chez Action avec les fleurs. Donc c'est vrai, ceux-ci, je ne vous les ai jamais montrés sur ma chaîne.
Déjà d'une, parce qu'en ce moment, j'ai pas spécialement le temps d'aller chez Action. J'y suis allée cette semaine d'ailleurs, je me suis pris juste ça parce qu'il n'y avait rien d'autre. De la colle pour ma pièce en haut parce que j'ai pas de colle comme ça. Et du coup, j'en ai vu des cadres comme ça, mais il n'y avait que le modèle avec l'oiseau et le modèle avec les barques. Ce n'était pas des modèles qui me plaisaient plus que ça. Bah, je suis trop contente, je vais pouvoir les tester, c'est trop cool. Trop cool. Bah écoute, Patricia, merci beaucoup à toi. Je t'envoie plein, plein, plein de bisous. Et heureuse année à toi aussi. Hein. J'espère que tout se passera bien, même si pour l'instant, on sent bien que c'est très mal parti 2022. Voilà, c'est le Covid, ça craint. Pour preuve, je viens de me prendre la troisième dose du vaccin, là. Mais, ouais, j'espère que ce sera une meilleure année que les autres. Hein. Je range tout de suite la petite carte à Patricia dans mon petit cahier à cartes. Et on va passer au colis de Sylvie. Alors, si je me souviens bien, j'arrive plus à parler. Déjà, je sais plus où j'ai mis mon ciseau parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu aujourd'hui, celui-ci. J'avais sorti le ciseau et je ne l'ai plus. Donc je vous disais, si je me souviens bien, Sylvie, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait ses twin markers parce que elle ne s'en servait plus. Bah, ils sont là les ciseaux, ils étaient sous tous les bonbons. Donc et effectivement, j'ai vu en montant le carton dans ma pièce qu'il avait été, comme dirait mon conjoint, visité. Hein, il y a un petit truc dedans. Bon, je ne pense pas qu'il manque quoi que ce soit. Il a l'air d'être d'être en parfait état. Alors, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Et Sylvie, elle a du bon scotch. Hop là. Hop. C'est parti. Alors, ma petite Sylvie. Alors, c'est pareil, hein, fervente... je trouve plus mon mot. On va dire grosse adepte du calendrier de l'Avent. Donc Sylvie, elle m'envoyait bien ses colos tous les jours. Alors, donc, elle m'a mis un petit mot. Coucou Hélène, comme promis, voici les aquamarqueurs et autres de chez Action. Je t'ai rajouté des paint markers et des métalliques aussi. Bisous Sylvie. Mais fallait pas Sylvie, c'est trop, trop, trop gentil. Merci beaucoup. Hop, le petit mot, c'est pareil. Moi, je garde toujours vos petits mots, hein, vos petites cartes et tout ça. Je garde tout avec moi. Hein. Alors, t'as fait des folies, Sylvie. Alors, il y a un gros paquet là, je vais le mettre à côté. Il y a des petites bulles. Mes enfants, ils vont s'éclater avec. Voilà. Et il y a des grosses boîtes là. Oh. Voilà, vous allez pouvoir m'appeler la collectionneuse de Twin et d'Aquamarqueur. J'en ai un stock à la maison. Mais bon, vu que je m'en sers pas mal, le stock va certainement réduire parce qu'au fur et à mesure, bah, il y en a qui vont se vider, quoi. Alors. Oh là là, c'est trop bien. Donc là, j'ai plein. Je les sors. Je vais vous les montrer après parce que du coup, j'en ai plein sur le bureau. Oh là là, mais je pensais pas que tu allais m'envoyer tout ça, c'est trop gentil. Trop, trop, trop gentil. Avec les boîtes en plus, j'adore. Oh, trop bien. Trop, vous êtes folle, hein. Franchement, vous êtes folle. Alors déjà, 4 racks d'aquamarqueurs. Donc ça, c'est top. Alors c'est pareil, je pense que c'est... Je vais faire les tests, mais ça me parle quand même pas mal, ces couleurs-là. Je pense que je les ai déjà, mais bon, en ce moment je colorie un peu moins parce que j'ai pas le temps, mais je pense que janvier, février, je vais m'arracher sur le colo. Et je suis trop contente, j'ai pas énormément d'aquamarqueurs en double, donc même si ça me fait des doubles, franchement je suis trop contente parce que au moins si j'en utilise plusieurs particulièrement, je sais que voilà, j'aurai une petite réserve. Donc je suis trop contente et les aquamarqueurs de chez Action, ils sont top. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent conseils pour les coloriages mystères. Les aquamarqueurs de chez Action, ils sont top. Alors vous n'aurez peut-être pas toutes les teintes malgré qu'il en existe beaucoup, mais ils ne traversent pas. Vous avez deux mines, vous avez une mine fine, pour ceux qui ne connaissent pas, une mine fine et une mine broche. Et moi franchement, j'en suis tombée amoureuse de ces
En fait, les aqua et les twins, je les utilise pas du tout pour la même chose. Voilà, aqua marqueur à fond pour les colos mystères. Même les gens qui veulent colorier dans des livres normaux, ça ne traverse pas. C'est vraiment des feutres à eau. Normalement, ils sont un peu aquarellables. Je m'en sers pas pour le moment de ce côté-là, mais ils sont vraiment tip-top. Voilà. Donc, merci à toi, Sylvie, pour tous ces aqua marqueurs. Et ensuite, elle m'a offert des twin markers. Donc, les twins, ici, ce sont les feutres à alcool. Donc, ceux-ci, surtout pas... Regardez tout ce qu'elle m'a offert. 5 racks d'aqua markers. C'est trop bien. J'adore. De twin markers. Oh, je vais encore me régaler à faire le tri, à tout ranger. Tout, c'est trop bien. oui, donc... Twin marker, feutre à alcool, feutre qui traverse. Interdiction sur les colos mystères, sur les colos recto verso, comme les petits carrés Disney par exemple, comme sur les gros livres type vitraux, voilà, sur les. Voilà, tous ces livres-là, interdiction. Vous pouvez vous en servir dans les grands carrés Disney. Par contre, mettez une feuille assez épaisse en dessous parce que ça traverse. Quand je vous dis que ça traverse, ça traverse. Hein. Voilà. Vous pouvez vous en servir dans les blocs, dans les colos où il n'y a qu'un seul colo par page. Et vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos pour faire des dégradés, pour faire des choses magnifiques. Et logiquement, si vous vous débrouillez bien, ce sont des feutres qui ne font pas de traces. Donc, ils sont vraiment top. Merci Sylvie, franchement, c'est... Oh, c'est trop cool. Tu sais qu'il m'en reste encore un petit peu à Gauthier à trier. Et ben... Je vais me prendre quelques heures pour finir de trier tout ça parce que j'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Ah oui, je vous montrerai ce colo-là après. J'ai fini un colo. Ensuite, alors là, j'ai une pochette de bulles avec plein de feutres. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vous montre. Ah, ce sont les pen markers. Ah oui. J'en avais une boîte, je crois, de ça. Je m'en sers quasiment jamais parce qu'ils sont toujours dans la boîte, mais il faudrait que je m'en serve. Ce sont des feutres un petit peu comme les Posca. La mine est un peu assez grosse. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez? Je vous montre celui que j'ai déjà. Et c'est vrai que je les ai trouvés assez top, ceux-là, mais je ne m'étais pas pris... J'avais juste acheté cette boîte-ci parce que les couleurs me plaisaient. Mais ils sont quand même assez chers, donc je ne m'étais pas pris la collection entière. Et bah... et bah écoute, Sylvie, merci beaucoup parce que grâce à toi, du coup... Oh, regardez-moi, c'est magnifique, tout ça. Attendez, il y en a encore. Hein. Donc, première vague de couleurs. Donc, j'ai tout cela. Ah, à mon avis, tu avais dû acheter la collection entière, Sylvie. Oh, trop bien. Ensuite, j'ai tout cela. Voilà, donc en pen marker. Oh, trop bien. Bon, alors ça, je vais être obligée de me racheter une trousse. Quel dommage. Je vais aller chez... Quand j'irai chez Action, je me reprendrai une trousse et je mettrai tous ces pen markers-là. Et en plus, trop fort, il n'y a pas les couleurs que j'ai dans ma boîte, quoi. Donc, ça me fait que des couleurs en plus. C'est trop bien. C'est trop chouette. Trop bien. Et ensuite, dans le même sac, il y a des Metallic Brush Pen. Est-ce que ce sont les mêmes que j'ai? Moi, j'ai quoi? Metallic Brush Pen. Ouais, ça y ressemble, mais je pense que c'est pas la même collection. Je sais pas. Mais j'adore. Regardez, attendez, je les sors pour vous les montrer. Donc là, ce sont des feutres métalliques avec une pointe pinceau. Trop bien, mince, j'en étais tombée, hein. Trop bien, je suis trop contente. Alors je vous montre, voilà, trop top. Et ceux-ci, s'ils ressemblent à ceux que j'ai déjà, je les ai testés et ils sont vraiment trop bien. Merci Sylvie. Et attendez, c'est pas fini, il en reste une pochette encore. Oh. Ah oui, bah c'est la suite en fait. Ah ouais. C'est la suite. Oh ouais. Il y a encore plein de paint markers. Mes mains sont pas assez grandes pour tout mettre. Ah ouais, t'avais vraiment acheté toute la collection. Oh. Ça
ça vaut cher tout ça. Mais t'es folle de m'offrir tout ça. Attendez, j'arrive pas à tout mettre dans mes mains. Regardez. Oh, oh là là, c'est trop chouette. Alors, en plus, ils ont tout neuf, quoi. La mine, elle est même pas imbibée. Vous savez, c'est des feutres comme les Posca. Il faut appuyer. Je vais regarder si j'en trouve un qui est... non, celui-là est tout neuf. Si j'en trouve un que Sylvie a utilisé. Bah non, écoutez. Ils sont tout neufs. Oh bah franchement, je vais faire des tests, Sylvie. Je vais m'éclater. Hein. En plus, j'ai fait des folies niveau Posca. Je vous ferai une vidéo... courant janvier, j'ai fait des petits achats et j'en attends encore d'autres. Non, bah écoutez, je vais pas pouvoir vous montrer de mine, ils sont pas utilisés. Ils sont tous tout neufs. Mais ouais, j'ai fait des petits achats colo, je vous ferai une vidéo courant janvier. Là, on va se poser ce week-end parce que bah du coup, on devait aller au Futuroscope avec mes enfants ce week-end et mon conjoint. Et vu que mes enfants, ils ont la gastro, bah on reste là. Donc, je vais m'éclater à ranger tout ça ce week-end, à me poser, à tester. Et courant janvier, je vous ferai une vidéo haul. Et il faudrait aussi que je vous fasse la vidéo pour le tirage au sort des cadeaux restants. Donc là, j'ai tout expédié mes cadeaux pour le calendrier de l'Avent. Il me manque juste deux personnes qui voulaient attendre janvier. Du coup, je ferai le point avec elles et puis je vous ferai la vidéo, vous savez, rattrapage de tirage au sort. J'ai pas pu vous la faire entre Noël et Jour de l'An, ça n'a pas pu être possible. Donc, je vous ferai ça... semaine prochaine ou semaine d'après, voilà. Et du coup, pour finir avec le colis de Sylvie, voilà. Donc, il y a encore tout ça en métallique broche pen. C'est, voilà. Bah, merci beaucoup, Sylvie. Franchement, t'es un amour. Je sais même plus quoi dire. Franchement, j'en ai parlé à ma maman l'autre jour quand j'ai reçu les colis de Gauthier et des autres personnes. Elle trouve ça hallucinant que des gens que je connais pas m'envoient des cadeaux. Mais j'ai dit, mais moi aussi. J'ai dit, quand j'ai ouvert ma chaîne, jamais j'aurais pensé que des personnes puissent m'offrir des cadeaux comme ça. Et c'est vrai que vous m'avez souvent expliqué que bah même si moi c'est anodin, je fais des vidéos pour partager. Pour vous, ça vous... Enfin, je suis un petit peu dans votre quotidien et du coup, ça fait un peu comme si je faisais partie de votre famille. Donc, bah, merci à vous, franchement. Merci de votre générosité. Je sais que je suis généreuse en parole et en partage avec vous. Je vous fais aussi des cadeaux et tout, mais je sais pas. J'ai toujours eu beaucoup... j'arrive beaucoup à partager, mais j'ai toujours du mal à recevoir. Donc, c'est vrai que ça me touche énormément quand je reçois tout ça, là, mais... Merci, merci beaucoup, franchement, Patricia et Sylvie, vous êtes adorables, merci. Voilà. Pour finir la vidéo, du coup, avant que je me mette à chialer, je voulais vous montrer deux autres choses. Donc, j'ai enfin terminé mon colo, je vous l'avais montré en cours. Voilà, c'est dans le bloc portrait. J'avais commencé, j'avais fait le fond au Néocolor 2, j'avais fait la peau et les cheveux au Polychromos, j'avais pas fini les cheveux. Et la fleur, là, c'était avec les aquarelles de chez Action métallisées. Donc, il me restait une partie des cheveux à faire et puis le cadre autour. Donc, j'ai testé mes Liquitex. Alors, c'est pas... je pense que j'ai pas encore la technique pour m'en servir. Vous savez, les encres que je vous ai montrées à Noël, c'est pour ça que je commence à faire des tests. Parce que je sais pas du tout m'en servir pour le moment. Donc là, j'ai fait un test qui est pas trop concluant pour moi. Donc, va falloir que je trouve une autre technique pour m'en servir. Mais voilà, je voulais vous montrer le colo. Il est terminé. Donc, ça sera le dernier colo de l'année. J'ai pas eu le temps d'en recommencer d'autres. J'ai pas le temps de faire du DP. J'ai ma grande toile princesse que j'ai commencé il y a un carré que j'ai entamé que j'arrive pas à finir. Mais bon, là, vu que je vais être en week-end, je vais pouvoir avancer un peu plus. Et vous aurez à la fin du mois de janvier, enfin peut-être mi-janvier parce que je pars au sport d'hiver, vous aurez bien évidemment... non, vous l'aurez fin janvier, je la programmerai. La vidéo de mes produits finis du mois de janvier. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et j'ai reçu ça aujourd'hui de la part de GLS. Donc, ça vient du géant des Beaux-Arts. Si vous avez bonne mémoire, j'ai passé une commande chez eux, je sais plus c'était quand, courant octobre ou novembre, je m'en rappelle plus. Donc déjà j'avais eu un souci, mon Néocolor 2 couleur abricot était cassé. Et je me suis rendu compte quelques temps après, donc je leur ai fait la réclamation, ils m'ont dit qu'ils allaient l'envoyer. Et en attendant mon Néocolor 2, je me suis dit mais attends, j'avais fait une grosse commande, j'avais le droit à un cadeau normalement.
Normalement, j'avais le droit à un sac XXL du Géant des Beaux-Arts. Donc, je leur avais renvoyé un mail en leur demandant est-ce qu'ils m'avaient bien renvoyé le Neocolor 2 parce que je n'avais pas eu de nouvelles. Et je leur ai dit également que je n'avais pas reçu le sac. Donc, ils m'avaient répondu que le Neocolor 2 arriverait. Et effectivement, il est arrivé le lendemain, je crois. Et ils m'ont dit qu'ils me renvoyaient le sac. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Il n'y a pas de sac, là. Si. Ils m'ont envoyé un assortiment de pain d'épices enrobé de sucre. Ok. Ils m'ont renvoyé leur machin, là, le frambourgeois. Je n'aime pas du tout, je l'ai déjà. Je ne vois pas pourquoi ils mettent ça en cadeau. J'aurais préféré avoir leur catalogue à eux plutôt que ça. Et ça, c'est quoi? Nouveau catalogue SAG géant XXL. XXXL. Il n'y a pas de sac? Colis est vide? C'est pas le sac qui m'a envoyé, c'est des gâteaux? Oh, je suis désolée, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je suis dans le vomi et dans le caca depuis 2 jours. J'en peux plus. Non, mais ils se foutent de ma gueule, là. C'est pas possible. Eh, je suis pas folle, quand même. Le magazine. La facture, comme quoi que j'aurais soi-disant un sac. Et ça? Oh, bon bah écoutez, hein, je vais leur envoyer un mail. Je vais leur demander, il est où le sac? Parce que là, je vais leur envoyer une photo même, je pense. Oh là 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 là. N'importe quoi. Ah, pour ceux que ça intéresse, il y a une promo sur la marque Sennelier. Moins 33 à moins 50%. Ah non, c'est mort. C'était jusqu'au 20 octobre 2021. C'est mort. Oh non, ils vont me tuer. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas d'unboxing d'un sac géant triple XL. Oh. Bon. Bah écoutez, je vais leur faire une petite photo. Ça va être tout pour moi aujourd'hui, je suis désolée. Donc je vous souhaite une belle et heureuse année. Profitez bien ce soir, mais faites attention quand même de ne pas vous faire contaminer. Joyeuse année 2022 et je vous dis à très bientôt, début 2022 ensemble. Bisous.